Laura Pausini est une femme comblée. À 49 ans, elle file le parfait amour avec son mari Paolo. Pourtant, la chanteuse a mis un peu de temps avant de tomber sous son charme. La raison, ce détail qui était un problème pour elle. Laura Pausini est l'une des chanteuses italiennes préférées des Français. Depuis son succès avec La Solitudine en 1993, l'artiste est encore et toujours dans le cœur du public malgré une très longue absence. En novembre dernier, Elle Italienne a fait une réapparition sur le plateau de la Star Academy sur TF1. Le 12 février prochain, elle sera également à El Accor Arena, à Paris, dans le cadre de sa tournée mondiale. Elle posera même ses valises aux États-Unis. À 49 ans, la maman de la petite Paola savoure toujours autant sa popularité à travers le monde. Si professionnellement, tout roule pour elle, en ce qui concerne sa vie intime, Laura Pausini est également sur un petit nuage. Le 22 mars 2023, elle a épousé l'homme de sa vie, Paolo Carta, un musicien et producteur de disques. Un mariage célébré après 18 ans d'amour. Laura Pausini fait de touchantes confidences sur son mari. Dans les colonnes du nouveau numéro de Voici, Laura Pausini s'est confiée sur son couple avec son chéri. L'occasion d'avouer qu'elle a hésité avant de se mettre en couple avec lui. Et pour une raison bien précise. Je suis tombée amoureuse de mon mari alors qu'il avait déjà été marié et que pour moi, c'était un problème, a-t-elle confié. Finalement, la chanteuse, qui célébrera ses 50 ans le 16 mai prochain, a mis 6 mois avant de succomber. C'est dans un hôtel parisien qu'elle et celui qui allait devenir son mari se sont embrassés pour la première fois. Ce moment si inoubliable a donné naissance à un petit rituel. À chaque fois que je reviens à Paris, je descends ici, a-t-elle expliqué. Un lieu de pèlerinage pour la star, heureuse d'avoir trouvé la perle rare. Je n'ai pas eu beaucoup d'histoires d'amour avant mon mari, mais ce que je sais, c'est qu'avec les autres, je cherchais à coller à ce qu'on attendait de moi alors qu'avec lui, je suis toujours restée moi-même, a-t-elle assuré. Il ne m'a jamais jugée, il respecte toujours mes opinions, même quand il ne les partage pas. Avec lui, je n'ai jamais peur de rien. Son homme idéal. L'intégralité de l'interview de Laura Pausini, et bien plus encore, est à retrouver dans le nouveau numéro de Voici, en kiosque ce vendredi 2 février 2024.